honorable député Madame Ouli Madame Malé, monsieur le président du conseil départemental de Bignona, monsieur le coordinateur national du programme de domaine agricole communautaire, mesdames, messieurs les responsables politiques de l'Alliance pour la République, les partis alliés membres de la coalition Bendo-Bokk-Yakar, madame le directeur général de l'ANRAC, je vous salue très affectueusement. Je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de la coordination communale Affaires de Bignona et à mon nom personnel, dire aux camarades Aubin Sagnan bienvenue dans l'Affaire de Bignona. J'ai souvent dit aux camarades que Dieu le Tout-Puissant donne chaque fois de belles occasions de montrer de magnifiques choses. Aujourd'hui, notre parti, dans la commune, dans le département, a livré à la face du monde et à tous nos camarades des autres localités du Sénégal une très belle image. Une image de solidarité, une image de cohésion, une image d'unité. Je voudrais que cette image ne soit pas liée à un meeting, mais plutôt que cette image soit un comportement de tous les jours. Un comportement de tous les jours parce que c'est seulement dans la cohésion, dans l'unité, dans la solidarité que nous ferons des belles victoires. Les belles victoires, j'ai l'habitude de le dire, elles sont là, sous nos yeux, en attendant d'être formalisées. Mais si nous travaillons la main dans la main, si nous travaillons dans l'unité, dans la solidarité, dans la cohésion, nous donnerons au président de la paix, au président Macky Sall, l'une des belles victoires de l'histoire de son parti. Et les législatives qui profitent à l'horizon nous en donnent l'opportunité. Je voudrais vous encourager à persévérer dans cet élan et dire aux camarades Aubin que nous sommes très ouverts, que l'affaire est disponible dès lors qu'il a intégré le parti, à l'accompagner dans ses œuvres sociales, à l'accompagner dans ses œuvres de bienveillance, parce que toutes ces œuvres s'inscrivent dans la dynamique de consolider le parti, de le massifier davantage, de le donner au chef d'État, de faire victoire. Je vous remercie.